que le concours d'embellissement des bords de route est un challenge très apprécié des mamas, des associations. Les participantes ont laissé libre cours à leur créativité en utilisant des plantes de fleurs, des matières naturelles de décoration, un effort remarqué par le comité organisateur et le jury composé d'experts. Et c'est l'association du quartier Matahoa qui remporte cette année le premier prix. Écoutez les réactions recueillies sur place par Rosana Mayou. Nous nous sommes engagés donc à mettre en avant donc l'embellissement avant tout, le nettoyage du quartier. Et nous avons encore d'autres projets comme les arrêts de bus, les bancs que nous allons implanter dans, au bord de route, de façon à ce que les touristes, quand ils reviendront chez nous, donc ils auront de quoi se reposer et, voilà, et admirer, comme on dit, notre paradis. On note tout le travail que les CAES ont fait, c'est-à-dire planter, embellir les bords de route. Certains ont fait comme ils le pouvaient, d'autres n'ont pas par contre pu, voilà. Faute de temps, faute de moyens, nous voulons répondre aux vrais critères de l'appel du Pacifique. Voilà, tout simplement.